Ah merde. Oui, bonjour à tous. Ça y est, c'est bon. Voilà, merci. Merci. On me fait signe pour les portables. Vous êtes assez gentil pour enlever vos portables. Vous les mettez sur avion ou sur arrêt, stop. Stop. Ce serait bien de ne pas consulter vos mails pendant le temps de la conférence. Hein, ce serait bien, vous aurez le temps ce soir. Ce serait gentil. Merci à vous. Bien, alors je vais dire bonjour à tout le monde. C'est surprenant. Merci beaucoup, Madame Chantal, d'abattre autant de monde. Je pense que c'est le bon Dieu qui vous suit et qui est venu avec vous. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir... la chapelle Saint-Louis aussi pleine, sinon pour les journées du paranormal. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois à l'association Les Mimosas? Waouh! Bien, eh bien, écoutez, soyez les super bienvenus. L'association existe depuis 14 ans, nous recevons Chantal depuis aussi longtemps. Alors qu'elle n'était pas sur Facebook et sur YouTube depuis longtemps. Voilà. Nous avons connu Chantal dans la simplicité des cœurs et maintenant nous la connaissons comme une grande star YouTubée. Est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait, Mademoiselle Aurore? J'oserais voilà. Pas dire ça, mais bon. Alors je suppose que vous êtes venue pour elle. Ce serait mieux, et je pense que Chantal ne me démentira pas, que vous veniez non pas pour quelqu'un, mais pour ceux qui habitent le quelqu'un. Et à l'intérieur de Chantal, il y a la grande force créatrice que nous appelons Christ et que nous appelons Dieu, nous. On n'a pas peur des mots. L'association accueille tout le monde, quelle que soit la confession, puisque la confession, ça appartient aux hommes et pas à la divinité qui nous habite. Voilà. J'ai deux ou trois informations à donner. L'association Les Mimosas, cette année, organise un très grand et très beau week-end à Notre-Dame de Lumière. L'année dernière, Chantal était parmi nous et nous avons fait un très beau voyage à Sainte Rita grâce à sa conférence. Cette fois-ci, je lui ai demandé de parler de Philippe de Lyon. Je ne sais pas où elle nous emmènera avec Philippe de Lyon. Voilà. Donc, tous ceux qui souhaitent avoir, se nourrir intérieurement, pas simplement mettre la carte bleue comme vous allez faire tout à l'heure. À la fin de la conférence de Chantal ou de sa médiumnité, vous allez poser votre carte bleue. Vous savez, la carte bleue, c'est question-réponse. Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que mon mari ou mon petit-fils, dans 20 ans, il aura une situation? J'ai déjà entendu ça. Alors ça s'appelle la carte bleue. Et on a la chance que Chantal, à la carte bleue, ça répond tout le temps. N'est-ce pas, Chantal? Voilà. Mais c'est quand même mieux de nourrir sa terre intérieure. Parce qu'un jour, nous sommes tous destinés à partir de l'autre côté avec nos valises pleines. Non pas pleines de réponses, mais pleines de tout ce que nous aurons amassé. Et ça, pour nous, l'association Les Mimosas, c'est d'abord une association qui recherche la terre intérieure, qui essaie de défricher tout ce que nous avons chacun à l'intérieur de nous, dans tout ce que nous avons de plus beau et de plus riche. Et on s'enrichit beaucoup les uns par les autres. L'autre, c'est nous. Voilà. Dieu habite à l'intérieur de chacun de nous. Et ça se voit dans le regard de chacun. Donc, regardons-nous les uns dans l'autre, dans l'âme. Et nous nous retrouverons tous unis. Ce sera vraiment beau. À part ça, vous avez eu un petit diaporama que j'ai créé spécialement parce que j'ai entendu et j'ai compris que lorsque Chantal se déplaçait, elle déplaçait les foules et elle déplaçait des foules qui étaient parfois un peu bruyantes. Et pour moi et pour beaucoup d'entre nous, je reste persuadée que Dieu habite le silence. Et beaucoup d'entre nous, on a vraiment de la peine à faire silence parce qu'on a peur
de notre silence intérieur. Alors je vais vous raconter une petite histoire que j'appelle une mise en bouche. C'est important d'avoir une mise en bouche. On va avoir une mise en bouche avec une histoire. En plus, après, Chantal nous racontera la vie de Philippe de Lyon, qui n'est pas une histoire. Ensuite, nous aurons un très beau chant, l'humeur d'étoile, parce que je pense que Chantal fait partie de ces personnes qui sont des allumeurs d'étoiles, comme nous, on doit l'être à notre façon aussi. Chacun à notre place. C'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est uniquement ce que nous sommes. Alors on va écouter la petite histoire sur le silence. Vous écoutez si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous bouchez les oreilles, c'est pas grave. Silence a disparu. Silence se souvient avec une grande émotion du temps où il vivait en maître sur la terre. Il était l'invité privilégié des hommes qui étaient ses amis. Il accompagnait la prière des religieuses dans les petites chapelles des couvents. Il se tenait auprès des familles quand elles se réunissaient au coin du feu pour les veillées tardives. Silence marchait doucement au rythme des pas des promeneurs le dimanche. Silence enlaçait les amoureux qui se regardaient les yeux dans les yeux en se tenant la main, sans rien dire. Silence veillait sur le sommeil des bébés quand les anges de la nuit venaient se pencher sur les berceaux. Silence habitait le cœur des hommes quand ils priaient. Silence enveloppait le berger quand celui-ci, après ses longues journées de marche, s'asseyait et regardait la nuit étoilée en rendant grâce pour cette immense paix. Oui, il régnait un invité de marque dans la salle à manger des moines quand ils prenaient leur frugal repas. Oui, silence était là, sur la terre, comme un ami fidèle qui donnait aux hommes paix et sécurité. Maintenant, chassé de toutes parts, il a préféré disparaître tout doucement et sans bruit. Et il regarde d'en haut tous ceux qui l'ont détrôné. Étonné, il voit que les hommes ont rajouté des oreilles à celles qu'ils avaient déjà. Ils appellent ça des Walkman, qui maintenant les accompagnent dans leur promenade. Et pour les repas, ils ont invité à leur table une grande boîte carrée qui retient toute leur attention. Ils appellent ça télévision. Le feu s'est éteint dans les cheminées qui ne réchauffent plus personne. Et l'alcool et les cris et la musique bruyante ont remplacé les paisibles veillées. Les monastères sont de plus en plus déserts. Et les réfectoires agités ont remplacé l'écoute intérieure. Partout où les hommes se regroupent, ils tournent des boutons et silence doit s'enfuir. Il sait bien pourtant qu'il était une excellente source de santé pour l'âme et pour le corps des hommes. Les bruits dont ils s'entourent maintenant ne leur permettent plus d'écouter le chant de leur âme. Alors, ils tombent malades. Mais, rempli de sagesse, silence n'insiste pas et il s'en va doucement, tout doucement. Chassé de toutes parts, il va alors se réfugier dans le seul endroit où l'homme a encore besoin de lui, un lit d'hôpital. Merci. J'ai perdu Chantal. Elle arrive, elle est là. Voilà. Eh bien, ma belle Chantal, ne sois pas habitée de silence. Voilà, donne-nous la parole qui vient du fond de ton cœur. Ça, c'est notre ami Padre Pio.
C'est aussi ton ami, n'est-ce pas, Chantal? Merci à toi d'être venu. Merci à vous d'être là. Merci de l'écouter avec toute votre âme. Merci. Merci, merci. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et surtout de vous recevoir dans ce lieu sacré qui pour moi me touche personnellement. Et j'ai le chakra du cœur qui est très gai, très 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 gonflé. Bon, aujourd'hui je suis très émue aussi parce que je vais parler de quelqu'un qui m'est très très cher. Je vais parler du maître Philippe de Lyon, de son œuvre, un des plus grands guérisseurs français, un des plus grands thaumaturges, quelqu'un qui était très important et dans lequel je me bats, comme on dit, avec d'autres, pour montrer la survivance de l'être humain et pour la survivance aussi des défunts, comme ce grand guérisseur français, combien d'autres. Alors, c'est que c'est pas facile. Elles sont où tes lunettes? Elles sont là. T'inquiète. Maître Philippe de Lyon, le chien de berger. Nisier Antenne Philippe, né le 25 avril 1849. Il était quel signe? C'est ça. Wow. À Loisieux, en Savoie, arrondissement de Chambéry, dans le royaume de Sardaigne, qui, à cette époque, était encore italienne et qui ne sera rattachée à la France qu'à partir de 1860. On raconte que lors de sa naissance, on vit une grande étoile brillante dans le ciel. Ses parents, Joseph Philippe et sa mère, Marie Philippe, Joseph et Marie, c'était de circonstance. Maître Philippe a dit exactement que son père s'appelait Joseph et sa mère Marie et que son grand-père s'appelait Pierre et qu'ils s'appelleront toujours ainsi. Or, voilà, aucun de ses grands-pères ne s'appelle Pierre, seulement deux arrière-grands-pères. Encore un mystère, c'est ce que le maître Philippe disait lui-même. Il continue, ses futurs parents ne voulaient pas se fiancer, alors un soir, il fit que la chandelle se trouva éteinte et les deux jeunes gens durent se promettre. Joseph Philippe et Marie Vachotte Pila se marièrent le 17 août 1848 à Loisieux. Sa mère est déjà enceinte. Lorsqu'elle l'attendait, sa maman, Marie, fit une visite au curé d'Ars, Jean-Marie Baptiste Vianney, à Ars-sur-Fomant, qui lui révéla que son fils serait un être alors très élevé. Lorsque approcha le moment de la naissance de Philippe, elle se mit à chanter en tenant à la main une branche de laurier. De ce couple naîtront cinq enfants, dont Philippe est l'aîné, Nisier Benoît. On écrira beaucoup de choses à son sujet. Surnommé le Saint, il porte l'habit, celui de la congrégation de Jean-Baptiste de la Salle, appelé sous les drapeaux en 1875, le registre militaire indique « Dispensé car frère des écoles chrétiennes à Albens, il en sortira le 9 octobre 1879 comme instituteur libre. » Pour une raison qui nous échappe encore, il demande son rétablissement dans le contingent des disponibles aux armées le 22 février 1880 et fait son service militaire à Lyon, en Rhône-Alpes. Mais au deuxième congé du 30 novembre 1880, il sera alors réformé pour faiblesse générale. Laissez-moi rire, faiblesse générale, lui, impossible. Il rejoint désormais son frère, qui va alors l'héberger. Et nous le retrouverons à l'Arbrel, comme le président de la bibliothèque de la ville, à qui il a fait don de tous ses livres dès la même année. Suivant son frère, il joue à la bourse avec le cousin Antoine Burien et gagne beaucoup d'argent, à ce point qu'il sera rentier à l'âge de 25 ans. Âge de 26 ans, le cousin, il décède prématurément chez son frère à l'Arbrel en février 1881. Tout comme le propre fils du maître Philippe, dont il sera alors le parrain. Maître Philippe a dit de lui,
S'il avait vécu, nous aurions fait de belles choses. Ensuite, Joséphine, Auguste et Clotilde, ils habitent le hameau des Rubatiers, à Loiseux, où ils ont une belle enfance campagnarde. À cet âge-là, il va alors garder ce qu'on appelle un troupeau de moutons. Il prenait ce qu'on appelle un bâton de coudrier. Qu'est-ce que c'est un bâton de coudrier? C'est les bâtons en bois dans lesquels les sourciers prennent pour pouvoir trouver de l'eau. Donc Maître Philippe, déjà à 5 ans, l'âge de 5 ans, il avait ce qu'on appelle une baguette de coudrier dans les mains. Et il va alors démarquer tout le terrain autour des vaches. Et quand il tracera le trait par terre tout autour des vaches, aucune vache ne dépassera ce trait. Donc déjà à l'âge de 5 ans. Parlant de son enfance et de ses dons, il disait « J'ignore tout de moi, mais je n'ai jamais compris ni cherché à m'expliquer mon mystère. J'avais 6 ans à peine et déjà le curé de mon village s'inquiétait de certaines manifestations dont je n'avais pas encore conscience. J'obtenais des guérisons dès l'âge de 13 ans, alors que j'étais encore incapable de me rendre compte des choses étranges qui s'opéraient en moi. À l'âge de 14 ans, plus précisément, il quitta son village de Loiseux, pieds nus, pour aller vivre chez son oncle Vachaud, établi à Lyon, comme boucher. Avant son départ, il avait gravé au-dessus de la porte de la maison familiale une étoile qui subsiste encore. À Lyon, il fut accueilli par son oncle Vachaud, boucher, au 22 rue de l'Austerlitz à la Croix-Rousse. Monsieur Vachaud était incroyable et Maître Philippe disait de lui, s'il croyait, il serait parfait. Il vint le voir sur son lit de mort et lui mettant un doigt sur le front, il lui dit, tu n'as pas cru, mais vois alors maintenant. Il aidait dans son travail tout en faisant ses études à l'institution Sainte-Barbe où l'un des pères s'attacha à lui et lui permit d'obtenir son certificat de grand-mère. L'adolescent regretta de ne pouvoir suivre jusqu'au bac, mais toute sa survie dépendait des 30 francs à l'époque qu'il gagnait tous les mois, que le donnait son oncle, M. Vachaud, et des quelques pourboires qu'il glanait auprès des clients qui livraient alors à domicile. En dépeçant une bête, M. Philippe se coupa les tendons du pouce et de l'index de la main gauche. De cette blessure subsista une certaine raideur des deux doigts. À l'âge des 20 ans, en 1869, il guérissait parfois sans avoir à toucher les malades. Rien que sa présence et au travers de la prière, il avait étudié beaucoup à l'époque au travers des évangiles. C'est à la boucherie qu'il dévoila pour la première fois en public son don de guérison. Un jour que son oncle s'était grièvement blessé d'un coup de hachette, son commis fixa la main qui saignait abondamment et se mit mentalement en prière. Il supplia Dieu de raccommoder le pouce détaché de la main et en quelques instants, le sang coagula, la plaie se cicatrisa et le doigt bandé par le jeune homme se ressouda promptement. À l'hôpital, le médecin de garde, voyant la blessure propre et sans infection, renonça au point de suture traditionnel. Se contentant de placer une attelle de protection, le bouche à oreille va alors commencer à fonctionner vite, très vite, dans le voisinage et au moindre accident qui pouvait arriver. Il soignait ce qu'on appelle les canuts. Les canuts, c'était les premiers tisserands qui se trouvent dans le quartier de la Croix-Rousse, parce qu'à Lyon, vous avez deux vallées. Vous avez la vallée des tisserands, où autrefois c'était les plus grands marchands de soie. On les appelait le pays des soyeux, parce qu'ils vendaient la soie, et la vallée des religieux. Quand j'ai vécu en Rhône-Alpes pendant quelques années, curieusement, je me suis retrouvée dans la vallée des religieux. C'était de circonstances. Et plus précisément dans une maison où un chanoine avait vécu. Et croyez-moi, ce petit chanoine, j'ai eu beaucoup de manifestations avec lui, et j'en ai encore quelques-uns quand je prie encore pour lui. Donc, rien n'est par hasard. Alors, donc, à cette époque-là, on se mit alors à venir de tous les côtés, par le bouche à oreille,
un peu comme le téléphone arabe, voyez-vous, et ils soignaient les canis, les ouvriers de la Croix-Rousse qui, condamnés par la médecine et par la suite des gens, témoigneront pour lui, faisant une attestation devant notaire de guérison, car déjà, il sera condamné et jugé par illégal, exercice illégal de la médecine. Et où, oh, tu peux montrer... Quoi ? Le certificat, non ? Non, je ne l'ai pas. D'accord. Un jour, à Gorges-de-Loup, dans le 9e arrondissement, qui à cette époque n'était que la campagne, il y a eu là une famille désespérée. La famille Chapas, qui vient de perdre un petit garçon âgé de 7 ans. Voici le récit d'un menuisier, Jean-Baptiste Ravière, qui a assisté au miracle et qui deviendra un des plus grands fidèles disciples de Maître Philippe de Lyon et le suivra toute sa vie. Dans une cour où des menuisiers s'affairent à préparer un petit cercueil pour le petit garçon de 7 ans, donc un petit cercueil pour enfant, deux médecins sortent de cet immeuble, du petit immeuble, par la porte principale et sont encore alors en pleine discussion. On n'a jamais vraiment rien pu faire pour le sauver, cet enfant. La science est encore bien faible, dit un médecin. L'autre rétorqua, de toute façon, même prévenu plus tôt, nous n'aurions pas pu le sauver. Je crois avoir diagnostiqué une méningite fulgurante, et vous, chers confrères, vous avez sans doute raison, puis insouciant, pas vraiment mauvais cette petite eau de vie que nous a servi le père Chapas. Ils s'éloignèrent dans la cour et continuèrent à pavoiser, sans plus penser à l'enfant ni à la douleur des parents. Les deux docteurs passèrent le porche quand aussitôt deux jeunes hommes les croisèrent comme à leur pressé. « Il est mort, il a déjà quelques heures. J'ai mis du temps à te trouver. Il y a eu un coma avant, a dit le docteur. « Tu sais ce que c'est, toi, un coma ?» d'interrogation. « Ce n'est rien, ce n'est rien. Pressons-nous. » Il s'arrête devant la porte et frappe. On trouve alors un homme d'une quarantaine d'années qui va alors les faire rentrer. Manifestement, ils se connaissent. « Monsieur Claude m'a appris la nouvelle, dit-il. Nous sommes venus vous présenter nos condoléances à vous et à Madame Chapas. Or, comme tu l'as bien gentil, Nizier Philippe, salue à Madame Chapas qui ne dit rien. Viens, mon garçon, il est allongé sur son lit. Il monte l'escalier. La mère qui les suit les dépasse dans le long couloir et leur ouvre alors la porte. Nizier Philippe entre dans la pièce, se signe, fait asseoir tout le monde, cherche autour de lui Madame Chapas et lui demande « Me donnes-tu ton fils maintenant ?» Là, elle le regarde et elle va alors lui répondre « Oui », sans bien comprendre ce qu'il arrive. Alors Nizier Philippe s'approche du lit, se concentre debout, puis lance « Jean, je te rends ton âme ». Et l'invraisemblable se produit. Le défunt qui était tout blanc reprend à mesure sa couleur de vivant. Voit Nizier Philippe et alors lui sourit. C'est à ce moment-là propre que Jean Chapas sera un des disciples le plus précis et le plus proche de Maître Philippe de Lyon. Il va alors soigner de plus en plus et gratuitement pendant la guerre de 1870. Il fut alors incorporé dans la Légion de Marche, mais il n'y resta pas longtemps à cause de sa blessure de la main gauche. Il fut regretté par ses camarades. À cette époque, il avait Perrache, à Perrache, Lyon-Perrache, c'est là où il y a la gare, la deuxième gare, une salle où il recevait des malades comme ici. Ceux-ci, au début de son incorporation, remirent au préfet une pétition pour le réclamer. Le préfet le convoqua et lui demanda une preuve sur tous ses pouvoirs qu'on lui attribuait. Un conseiller de préfecture présent à l'entretien, homme grand et fort, lui dit « Je vous défie bien de me faire quelque chose à moi. » À l'instant même, le conseiller tomba évanoui. Maître Philippe donna dans sa jeunesse des séances de guérison ici en salle aux 17 rues Vendôme, puis aux 5 rues Masséna, ensuite à la rue Duquesne en 1872. Il ouvrit aux 4 boulevards du Nord, actuellement boulevard des Belges, numéro 8, un cabinet dans un appartement qu'il avait depuis 1867. C'était une petite maison d'un étage
surélevée. Durant 1874 à 1875, il prit 5 inscriptions d'officier de santé à l'école de médecine et de la pharmacie de Lyon. La 5e est datée du 11 novembre 1875. Sur le registre d'inscription, il était domicilié place Croix-Paquet, où il avait une petite chambre qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie et où il installait alors des malheureux. À l'Hôtel Dieu, il fréquenta notamment la salle Saint-Roch, où il suivit les cours cliniques du professeur Bénédicte Tessier. Il guérissait souvent des malades et les médecins s'étaient aperçus de toutes ses interventions. Un jour, il avisa un malade qui pleurait dans son lit parce qu'on devait lui couper la jambe le lendemain. Il lui assura que l'opération ne se ferait pas et il lui promettra de ne rien dire. Le lendemain, le chirurgien stupéfait constata que le malade était en voie de guérison et il demanda ce qui s'était passé. Le malade répondit « C'est ce petit monsieur brun, vous savez le petit monsieur là-bas, c'est celui qui m'a vu et qui m'a dit. » Un autre jour, il visita alors 3 soldats qui avaient la fièvre typhoïde au dernier degré. On entendait leur mort d'un moment à l'autre. Le maître s'approcha de leur lit et leur dit « On vous considère comme perdu, ne le croyez pas. Vous guérirez tous les 3. Demain, vous entrerez en convalescence et vous serez envoyé à Longchêne. » L'un des soldats lui dit « Oh, merci monsieur, mais vous êtes certain que nous puissions échapper à notre terrible maladie ? Ne craignez rien, je vous l'affirme, rétorqua Maître Philippe. » Le lendemain, les soldats entrèrent en convalescence et ils furent envoyés à Longchêne, où ils guérirent tous les 3. Et il est inutile d'exprimer la fureur des médecins lorsqu'ils surent que l'étudiant Philippe était encore passé par là. En 1875, on apprit qu'il était guérisseur et l'interne Albert le fit écarter alors du service. Il lui eut alors interdit de suivre les cours parce qu'il ne faisait que de la médecine occulte, véritable charlatan, et on ne lui autorisa pas une nouvelle inscription. Un jour, un policier frappa à sa porte et Philippe ouvrit. Le policier fut pris d'une courante terrible. Il fit demi-tour. Le juge qui l'avait condamné va le trouver le lendemain, embarrassé à cause de sa fille de 17 ans, affligée d'une dentition insuffisante. Le maître Philippe de Lyon lui dit « Demandez-vous dans combien de temps voulez-vous que votre fille ait des dents ?» Alors là, le juge rétorqua, il répondit « 2 mois » et 2 mois après, elle eut ses dents et plus de problèmes dentaires. Vous imaginez un petit peu ? Alors qu'auparavant, le juge avait fait envoyer pour condamner Maître Philippe, ce fameux policier qui arrivait en frappant à la porte pour destituer et donner le certificat comme quoi il était convoqué, était pris par une courante et n'a jamais pu remettre le papier en main à Maître Philippe. Vous imaginez un petit peu. Pour l'époque, c'était énorme. Donc, en 1875, Madame Landard avait conduit à Monsieur Philippe, boulevard du Nord, sa fille qui était malade et une jolie jeune personne. Il la guérit et elle vint ensuite alors aux séances, comme ici. Vous savez, la particularité de Maître Philippe, il passait comme ça dans les séances et puis il disait par exemple au hasard « Madame, bonjour Madame, bonjour Maître Philippe ». Alors il lui dit « Vous allez bien ?»« Oui, oui, je vais bien. Vous êtes venu pour ?»« Ah, je suis venu pour guérir. Vous avez des problèmes de cœur ?» rétorquait Maître Philippe. « Oui, Maître Philippe, je suis gravement malade et je suis venu pour que vous me guérissiez. » Alors il la regarde et lui dit « Madame ?» Alors elle disait « Oula, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire ?» Il s'approche un peu. « Ben, vous voulez guérir ?»« Ben oui, je veux guérir, mais c'est évident que je veux guérir. » Et il lui dit « Ben, vous arrêterez de dire pendant 6 mois du mal de votre voisin. » Et il continuait, il s'enfonçait un peu plus dans les rangées. « Monsieur, bonjour monsieur. » Oui, le monsieur qui s'enfonçait un peu dans le fauteuil comme ça et qui se glissait pour disparaître. « Monsieur, vous avez des problèmes de jambes et tout ça, et vous avez eu des problèmes de tête, vous avez la tête légère. » Alors monsieur dit « Oui, effectivement, j'ai des problèmes de jambes, mais j'ai la tête un peu légère. Monsieur, vous voulez guérir ?» Alors il dit «
oui, je veux guérir, c'est pour ça que je suis ici, parmi vos séances et tout ça. Ben, vous arrêterez de tromper votre femme pendant au moins un an. Et puis, et viser ça sans arrêt comme ça, vous imaginez. Alors, quand les gens allaient dans les conférences pour obtenir ce qu'on appelle des guérisons spectaculaires en public, inutile de vous dire que ceux qui avaient quand même pas mal de choses, il valait mieux qu'ils restent chez eux. Est-ce que, Chouchou, est-ce que tu peux expliquer qui guérissait sans toucher grâce à son aura et tout ça? Il arrivait à guérir en passant à côté des malades sans toucher les malades. Et il guérissait aussi à distance. C'est-à-dire sans voir, sans toucher, sans parler avec la personne à distance. D'ailleurs, à ce propos, je vais raconter une anecdote. Une fois, c'était un petit paysan qui entend parler de Maître Philippe de Lyon. Et puis il lui dit, ben moi, je m'en vais aller le voir, ce Philippe-là, parce que je vais lui expliquer que ma femme, ça ne va pas, il y a des problèmes et tout ça. Elle est à l'article de la mort, donc il faut absolument qu'il fasse quelque chose. Et Maître Philippe recevait entre 100 à 150 personnes par jour. Imaginez l'énergie qu'il faut pour soigner. 100 à 150 personnes par jour faisaient la queue. Et tous les sous qu'il recevait, puisqu'après il était marié avec une femme qui avait de l'argent, puisqu'elle était fille de riches industriels, il redonnait ses sous à des familles de pauvres pour pouvoir les loger. Donc c'était quelqu'un, un grand être d'amour, de lumière et de bonté. Il payait les loyers. Donc, le fameux paysan arrive, « Bonjour Maître Philippe, oui, asseyez-vous. » Il lui dit, « Ah ben c'est maintenant que tu arrives, ça fait longtemps que je t'attends. » Bon, ça commence bien. Alors le fameux paysan, il dit, « Je viens, c'est pas pour moi, moi tout va bien, mais ma femme est gravement malade, elle est à l'article de la mort, et si vous pouviez venir à la maison pour faire quelque chose, ça serait bien. » Alors Maître Philippe le regarde et lui dit, « Tu as plusieurs champs chez toi. » Alors lui, il dit, « Mais oui, j'ai plusieurs champs, il comprend pas vraiment parce qu'il est venu pour sa femme. » Il lui dit, il y a un voisin qui veut acheter ton champ, celui du fond. Il dit, vends ton champ au voisin et ta femme, elle sera guérie. Alors le gars, il dit, non mais attendez, imaginez un petit peu les paysans de l'époque. Moi, vendre mon champ, c'est pas possible, ça sort pas de la famille, c'est impossible. Ah non, attendez, on s'est pas bien compris. Moi, je suis pas venue pour savoir si je dois vendre un champ ou l'acheter ou quoi que ce soit. Je suis venue pour ma femme qui est... entre la vie et la mort, il faut absolument que vous veniez, que vous fassiez quelque chose. Maître Philippe le regarde, il lui dit deuxième fois, vends ton champ et ta femme sera guérie. Alors il s'énerve, il se lève, il prend la poudre d'escampette et il s'en va. Et il s'en va, il arrive chez lui, il ouvre la porte, vous savez, dans les portes fermes, et là qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas sa femme dans la cuisine, il ne voit pas sa femme dans la salle à manger, il monte dans la chambre. Et là, il voit sa femme vraiment à l'article de la mort. Elle n'arrivait plus à manger, plus à boire. Elle était vraiment entre la vie et la mort. Et là, il dit, demain, je m'en vais, je m'en fous. Demain, je m'en vais. Je m'en vais retourner voir Maître Philippe parce qu'on ne s'est pas bien compris. Il n'a pas bien compris. Le lendemain, il arrive. Ah, bonjour. Vous me reconnaissez? Qui lui dit, mais oui, je te reconnais. Est-ce que tu as vendu ton champ au voisin? Non, je n'ai pas vendu mon champ au voisin. Vends ton champ au voisin et ta femme sera guérie. Deuxième fois. Alors lui, il dit, non mais écoutez, je suis venue, c'est pour ma femme, il faut vraiment que vous veniez à la maison, je vous dis, elle ne mange plus, elle ne dort plus, elle ne boit plus, faites quelque chose, elle va mourir, faites quelque chose. On m'a dit que vous étiez un grand guérisseur et tout ça. Vends ton champ au voisin et ta femme sera guérie. Alors la deuxième fois, il rentre chez lui en colère et tout, puis il dit, qu'est-ce que je fais? À l'époque, ils avaient ce qu'on appelle des actes notariats qui étaient quand même très très grands, avec des très belles écritures couchées. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, je vais peut-être aller voir le voisin pour voir s'il veut toujours acheter mon champ. Et alors, il arrive, il frappe chez le voisin, bonjour monsieur le voisin, et il lui dit, est-ce que vous voulez toujours m'acheter mon champ? Oui, ben, il lui dit, bon, demain je prépare les actes notariats, j'en parle à mon notaire, et demain je viendrai vous le faire signer. Entre-temps, comme il prenait le temps, le paysan, la femme, elle était en train de mourir à petit feu. C'était de pire en pire. Alors, inutile de vous dire, quand il voit sa femme gravement malade comme ça, qui était à l'article de la mort, il commence à aller voir le monsieur avec les actes notariat. Et au moment où il signe l'acte notariat avec son voisin, il rentre chez lui. Sa femme était attablée à la table de la cuisine, elle demandait à manger et à boire.
Et là, inutile de vous dire qu'à partir de ce moment-là, il avait compris que Maître Philippe de Lyon, sans qu'il vienne chez lui, sans qu'il touche à cette personne, avait guéri sa femme et tout ça. Et là, c'était des grands remerciements. Mais il fallait quand même vendre le champ. Est-ce que tu peux expliquer l'aura d'un guérisseur? Vous avez, dans des thaumaturges, parce que Maître Philippe était un grand thaumaturge, donc un grand initié, il priait énormément et lui, il connaissait les évangiles par cœur. Donc, rien que le fait d'aller dans des endroits, il guérissait sans toucher les malades. Là, on a obtenu une guérison instantanée, sans qu'il soit allé chez ce fameux paysan, sans qu'il ait vu une photo de sa femme, sans qu'il se soit déplacé ou téléphoné, parce qu'à l'époque, le téléphone, c'était pas terrible. Ça n'existait pas. Donc, inutile de vous dire que c'est quand même extraordinaire. Non, mais explique, l'aura de quelqu'un normal fait un mètre... Quand vous avez ce qu'on appelle une personne qui est normale, qui a une aura traditionnelle, elle fait dégage à peu près entre 1 mètre. On va essayer de vous montrer. Voilà. Vous voyez une aura qui est ici. L'aura, c'est tout ce qui enveloppe. Vous voyez là tout ça, là tout ce qui enveloppe. Quand vous avez une aura traditionnelle, vous avez une aura qui colle votre peau et qui fait à peu près jusqu'à ici entre 1 mètre à 1 mètre 50. D'accord ? 1 mètre 20. 1 mètre 50. Donc, ce qui va dire que l'aura de madame touche l'aura de madame, de madame, de madame, de madame, de madame. Et même s'il y a un trou au milieu, votre aura, elle se touche. Et qui va faire que vous êtes attiré plus par telle ou telle personne. D'accord ? Maître Philippe de Lyon avait une aura de plusieurs milliers de kilomètres. Est-ce que vous pouvez imaginer ? C'est-à-dire que lui, ce n'était pas 1,50 m, plusieurs milliers de kilomètres. Un peu comme des grands brahmanes aujourd'hui, ou des grands maîtres ascensionnés spirituels qu'on va trouver en Inde et qui peuvent soigner même au-delà de la mer, etc., etc. Donc, ce n'était plus cette aura que vous avez là, qui dégage 1 mètre, 1 mètre 50. Là, vous avez une très belle aura de ce monsieur, d'ailleurs. Ici, vous avez du bleu, qui symbolise la prière. Et ce monsieur est guérisseur, c'est pour ça qu'on a pris cette aura. Ici, vous avez du bleu. Ici, vous avez du vert. Le vert, c'est la couleur de la guérison. Ici, vous avez du rose tout autour. Le rose, c'est le céleste. Et ici, vous avez du violet. Le violet, c'est la transmutation spirituelle. Ce qui veut dire que ce monsieur est ce qu'on appelle un vrai guérisseur spirituel. C'est-à-dire sans forcément toucher la personne pour guérir. Rien que son aura, rien que la présence de cette personne, il peut soigner rien qu'avec son aura. Et là, derrière, c'est quelqu'un qui n'est pas spirituel. Alors là, vous avez quelqu'un qui n'est pas vraiment spirituel, qui a un peu du blanc, là, mais qui a du violet. Alors le violet, ça veut dire quoi? Le violet, dans l'aura, c'est la transmutation spirituelle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à la spiritualité et qui cherche justement à évoluer spirituellement. C'est pour ça qu'elle est petite, son aura. C'est pour ça que vous avez vu, il a une aura qui est triquée, ce monsieur. Elle est étroite, son aura. Elle n'est pas développée. Et c'est ce qui va faire que vous allez attirer telle ou telle personne dans la vie ou quand vous marchez dans la rue, etc. Peu importe la taille que vous avez, même si vous êtes costaud, c'est pas ça. C'est l'aura qui est important. Ben oui. D'accord. Alors, donc, en 1875, donc M. Landard avait conduit à Maître Philippe Boulevard du Nord sa fille qui était malade. Il l'a guérie et elle vint ensuite aux séances. Et Maître Philippe va alors tomber amoureux. Chouchou. Puis demandera la main à sa mère, qui était une riche industrielle lyonnaise, qui était ce qu'on appelle dans la soie, des soyeux. Le mariage civil et le mariage religieux furent célébrés à L'Arbrelle, province lyonnaise, le 6 octobre en 1877. Maître Philippe épousa mademoiselle Jeanne-Julie Landard, fille du riche industriel. Le 11 novembre en 1878, naquit à L'Arbrelle sa fille Jeanne-Victoire qui sera l'amour de sa vie. Charmante créature de rêve, âme cristalline et toute pure, a-t-on dit d'elle. Sa bonté, sa charité étaient extrêmes. Elle faisait preuve d'une sollicitude infinie pour les malheureux. Elle va alors, cette belle jeune fille Victoire, par la suite, elle épousera le docteur Emmanuel Lalande le 2 septembre 1897. Maître Philippe eut aussi un fils, Albert, né le 11 février 1881,
qui mourut à l'âge de 3 mois de la variole. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui soigne, qui est guérisseur et qui ne peut pas soigner son propre enfant? C'est terrible. À 3 mois, le petit Albert fut décédé. Et c'est pour ça qu'à partir de là, écoutez-moi bien, à partir de ce moment-là, Maître Philippe va magnétiser tous les jours, pas un jour il ne le fera pas, sa femme et sa fille. Et ensuite, après, son gendre. Tous les jours, il va magnétiser sa femme, sa fille, son gendre. Sa femme, sa fille, son gendre. À partir du moment où il a perdu son enfant. Il soigne sa femme, sa fille. Elle lui apportera la fortune et lui, il soignera bénévolement. Il acquit un hôtel particulier en 1886, 35 rue du Parc de la Tête d'Or à Lyon, où il va alors donner des séances jusqu'en novembre 1904. Il était dans cette maison 6 mois de l'année et il recevait tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés. Il recevait par quinzaine, parfois par centaine, et les gens faisaient la queue dehors. À l'été, il était alors dans sa propriété, à l'Arbrelle, le Clos Landard, où il s'occupait de sa fille, Victoire, et de sa femme, Jeanne, de ses amis et de ses deux chiens, qui étaient magnifiques. Le 3 novembre 1887, il fut condamné pour exercice illégal de la médecine. En 1890, deuxième condamnation, enfin traduit à nouveau 2 fois en correctionnel. En 1892, il ne fut plus inquiété à partir de cette date. Il fit la connaissance de 2 médecins, Gérard Ancos, dit Papus, le mage de Balzac, et de l'occultisme, grand médecin, et ensuite Emmanuel Lalande, futur mari de sa fille, avec qui il travaillera beaucoup, et il avait également Jean Chappas, vous savez, le fameux menuisier, avec qui il menait tous les trois une vraie quête spirituelle. Alors là, vous les voyez, ils sont devant la maison de Maître Philippe. Vous avez la maison qui est ici, les marches. La maison de Maître Philippe, Maître Philippe qui est au milieu. Vous avez Papus qui est ici. Lalande, ici le docteur Lalande. Et Chappas. Jean Chappas. Et puis le gendre qui est là. Et toute sa vie, il va consacrer avec ses médecins et il va chercher et travailler pour, par les produits naturels, mettre en cause pour soigner la syphilis, soigner les problèmes de peau, soigner les problèmes de perte de cheveux, etc., etc. Donc, quelques malades y venaient aussi. Il était soigné et guéri en présence des élèves. De la même façon qu'en séance, et le maître soulignait alors la grande différence existant entre sa manière d'opérer et la pratique du magnétisme. Pour traiter par le magnétisme ordinaire, disait-il un jour, il faut être très très fort, il faut beaucoup d'énergie. Au contraire, pour pratiquer notre magnétisme, il faut être alors très faible, c'est-à-dire charitable, humble de cœur, car celui qui serait très petit pourrait dire « il me plaît que cet enfant soit guéri » et il le serait. Les cours étaient illustrés par des expériences surprenantes, sans rapport avec la suggestion, ainsi qu'en témoignent les notes de certains élèves. Des sujets, hommes presque exclusivement, servaient à la démonstration des faits. Ces sujets n'étant pas suggestionnés, car les ordres étaient donnés par commandement à leur esprit, sans qu'ils puissent les attendre. Leur vision était si nette qu'ils en gardaient le souvenir au réveil, et souvent même des traces physiques des faits par lesquels ils avaient passé, traces de piqûres, de serpents, de morsures, de strangulations, etc. Car ces expériences étaient réelles et matérielles. Il l'obtenait par la prière en faisant promettre aux malades et à tout leur entourage de ne plus dire du mal de son prochain, sauf en présence. Donc je vous ai raconté l'histoire du champ. Aujourd'hui, il ne reste qu'un mur au 87 rue Tronchet et à l'Arbrelle, la maison va être restaurée à l'identique et à côté, on y fera un hôtel-restaurant. Ça, c'est en arrêt, là, pour l'instant. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire, puisque pour l'instant, les travaux sont arrêtés. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans à peu près, je suis allée voir Maître Philippe dans sa maison et je lui ai demandé rendez-vous.
Je lui ai demandé, Philippe, si tu es là aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de venir à moi et de venir pour discuter avec moi. Tout d'un coup, j'étais dans les jardins, et je vous assure, c'est la vérité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et vous voyez... Oui, elle est l'envers. Voilà. Là, tu l'as mis à l'envers, la photo. Attends. Hein. Ben, j'arriverai pas à la remettre à l'endroit. Donc, ici, à la fenêtre, à une fenêtre, où j'étais devant à la porte, à coquiner à la porte, j'ai demandé à Maître Philippe. Et là, j'ai vu tout ce qu'on appelle le corps glorieux de Maître Philippe qui était là et qui me regardait. Et là, je peux vous dire que j'étais en bas. Je voulais absolument rentrer dans cette maison, mais comme tout était fermé à clé, c'était pas possible pour moi. C'est trop détruit, de toute façon. C'était trop détruit à l'intérieur. Et j'aurais aimé tellement rentrer à l'intérieur comme c'était à l'époque. À l'époque dans laquelle on va peut-être vous montrer, tu n'as pas filmé ? Non. À l'époque où à l'intérieur, pendant je ne sais pas combien d'années, il y a eu ce qu'on appelle la dernière, et ça a été reloué à une famille avec une enfant, où il y avait le portrait gigantesque debout de Maître Philippe, le chien de berger, on l'appelait, et où les gens, après sa mort, sont venus de plus en plus de partout, de France et de Navarre, pour y rentrer, pénétrer dans la maison et ressentir les énergies de ce fameux Maître Philippe. Croyez-moi, une énergie de lieu et un lieu qui est quand même spectaculaire. Il était conscient qu'il n'était qu'un petit canal. Il était constamment avec sa famille, surveillé par la police. Il utilisait des coursiers car la police française lisait tous ses courriers et ouvrait tous les courriers. Chaque courrier qu'il envoyait et chaque courrier qui était réceptionné était vérifié par la police. Vous imaginez ? On n'avait pas intérêt à mettre des choses cachées dedans. Tout courrier était ouvert. Donc il envoyait ce qu'on appelle des coursiers pour porter la bonne parole à certaines personnes. Les gens donnaient 3 francs à l'époque de droit d'entrée et c'était redistribué à la fin de la journée aux pauvres. Ils payaient jusqu'à 52 loyers par mois aux pauvres. Est-ce que vous imaginez ? Il était christique et parlait en fonction des évangiles et du Christ et demandait de prier les uns pour les autres. C'est le 8 septembre 1900 que M. Philippe entra en relation avec quelques grands ducs de Russie par l'intermédiaire du docteur en cause. Le comte Mouraviev à Mouchki, attaché militaire russe à Paris, présenta M. Philippe au grand-duc Pierre Nikolaïevitch, oncle du tsar Nicolas II, à sa femme la grande-duchesse Militsa et à la sœur de celle-ci, la fameuse princesse Anastasia Romanovski, duchesse de Leuchtenberg, toutes deux filles du roi de Monténégro. Puis le grand-duc Vladimir vint rendre visite à M. Philippe à Lyon. Et de retour dans son pays, en Russie, il fit alors appeler Maître Philippe, qui va alors partir le 29 décembre 1900 et va rester environ 2 mois en Russie pour soigner toute la famille princière. À la suite de ce séjour, l'empereur et l'impératrice entendirent tant d'éloges du Maître Philippe qui lui furent savoir par la grande duchesse Militsa qu'il aimerait le voir à l'occasion de leur voyage en France. La rencontre eut lieu à Compiègne, dans la région de Paris, le 20 septembre 1901. M. Philippe fut présenté à l'empereur et à l'impératrice par la grande duchesse Militsa. Après cet entretien en France, les souverains demandèrent à Maître Philippe de revenir une deuxième fois en Russie, ce qu'il va faire quelque temps après. Sa fille et le docteur Lalande l'accompagnèrent tout le temps. Une maison leur était préparée et réservée. Tsarskoye Selo, où se trouvait une des résidences impériales et princières. Durant ce séjour, le tsar conçut une très grande admiration pour M. Philippe et lui accorda une confiance alors absolue, au point d'en faire son guide pour toute question importante. Il voulait lui donner le diplôme de docteur en médecine, mais ses ministres lui exposèrent que M. Philippe devait pour cela passer des examens. Un jury fut constitué qui se réunit au palais impérial où M. Philippe demanda qu'on lui donne des numéros de lit de quelques malades en traitement dans un hôpital de Saint-Pétersbourg. Avec cette seule indication,
il fit, séance tenante, le diagnostic de chacun des malades désignés, lequel fut reconnu exact. Et il affirma que dès ce moment, tous ces malades étaient alors guéris. Les professeurs, membres du jury, purent vérifier à l'hôpital l'exactitude de ce qu'avait dit Maître Philippe le 8 novembre 1901. Il fut reçu docteur en médecine par l'Académie impériale de médecine militaire de Saint-Pétersbourg. Enfin une reconnaissance. Alors qu'en France, il n'était pas médecin. Alors qu'en France, il n'était pas reconnu. Nul n'est prophète dans sa paroisse. Les grands-ducs lui firent donc d'un serpolet et d'une grande voiture marchant à la vapeur que le docteur Lalande va conduire. Et comme Maître Philippe n'aimait pas forcément les voitures, lui, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la voiture qu'on lui a offerte et qu'il a offert à son gendre. Et lui, il a gardé les deux chiens que la tsarine va alors lui offrir. Le tsar lui donna une belle émeraude qu'il portait. Le maître Philippe de Lyon avait annoncé à la tsarine, à Alexandra, qu'elle aurait un fils et qu'il serait alors hémophile. À chaque fois que la Russie saignerait, le petit saignerait en même temps. Il a vu ce qu'on appelle, et c'est là où la tsarine a offert les deux levriers, un qui s'appelait Uchukchai, consolation et distraction, et Pitsai, qu'on a appelé oiseau. Et les deux chiens de Maître Philippe de Lyon, un chien d'oiseau, on le voit ici avec son grand lévrier, il en avait deux. Et ça, c'était toute sa vie. Il adorait ses chiens plutôt que la voiture. Il se faisait conduire, lui. Il n'aimait pas conduire. On est au 19e siècle, hein. Donc, à chaque fois que la Russie saignerait, le petit garçon qui était hémophile saignerait. Et c'est ce qui s'est passé. Il avait ce qu'on appelle trois laboratoires à Lyon. Le premier était Place Colbert. Le deuxième dans sa maison à l'Arbrel. Et le troisième, 6 rue du Bœuf. Il créera alors des produits avec son gendre, l'eau de Philippe pour les cheveux, pour la chute de cheveux, la pilule Philippe pour la pancréatite, la farine Bretzel, l'élixir du rubatier, l'héliosine pour la syphilis qui, à l'époque, ma foi, était de circonstance. Les parts Martès pour la régénération du système nerveux. Il fabriquait la nuit pour l'énergie spirituelle et avait de nombreux dons en mécanique, fabrication d'objets. Victoire, alors, sa fille est malade. Et elle décédera des suites d'un accident naturel le 25 août 1904. Sa fille, oui, sa fille Victoire, qu'il adorait. Madame Victoire Lalande est victime de la foudre dans le parc du Clos Landard. Son état devint rapidement désespéré et c'est dans les conséquences de cet accident qu'elle va alors mourir prématurément le 29 août. Monsieur Philippe donna alors un exemple extraordinaire. Son gendre, sa belle-mère, sa femme, sa fille elle-même demandaient la guérison. Monsieur Philippe lui répondit, « La volonté du ciel est qu'elle s'en aille. Cependant, pour vous prouver que le ciel peut tout, elle ira mieux pendant 2 jours. » Mais le troisième, elle reviendra à l'état où elle est en ce moment. En effet, elle se leva subitement le samedi et dans la nuit du lundi, elle retomba et rendit le dernier soupir le 29 août 1904. Le lendemain, à l'Arbrel, Maître Philippe, pleurant, dit « Quand un soldat tombe, il faut serrer les rangs ». De nombreuses personnes assistèrent à l'enterrement de Victoire. Maître Philippe a dit qu'il avait sacrifié sa fille, qu'il s'était enlevé le droit de la guérir et qu'elle était partie pour aplanir le chemin spirituel. « Cette mort, disait-il, m'a crucifié vivant. » Ces morts, cette mort va réveiller tous les anciens fantômes de sa vie privée et intime. La mort de sa sœur Joséphine dans ses bras en 1874, à l'âge de 25 ans. La mort de son frère Benoît, chez lui, à l'Arbrel, en 1881, à l'âge de 26 ans. Toute la grande problématique de l'impossibilité de guérir les membres de sa famille et la flopée des reproches
qui vont se dire par les plus proches, lui revint en pleine face et lui brise le cœur assurément. Longtemps à l'avance, M. Philippe avait préparé ses amis à son départ. À la séance du 18 mars 1901, on lui demanda de jamais s'en aller et répondit « Au contraire, j'espère bientôt partir, mais je ne resterai pas longtemps et là après, je reviendrai. » En février 1903, il dit adieu à ses fidèles. « Vous ne me verrez plus, je m'en vais où j'ai affaire dans l'au-delà. On ne me verra pas partir, je m'en vais, mais je vous laisse le caporal. » C'est ainsi qu'il désignait son disciple plus cher, Jean Chappas. Vous lui demanderez et il prendra sur lui de vous accorder des choses que moi-même je vous refuserai. Comme à l'école, les enfants s'adressent au pion qui leur donne ce que le maître d'école leur refuserait peut-être. Vous savez bien que moi aussi je vous abandonnerai jamais. Monsieur Philippe est malade. Le samedi 20 mai 1905, Cédir et sa femme le virent à l'Arbrel pour la dernière fois. Il ne sortait plus depuis 3 mois, ne pouvant plus se coucher ni se nourrir, passant dans un fauteuil, toutes les nuits sans dormir, ne prenant plus aucun bouillon et souffrant d'étouffement et de douleurs aiguës du cœur. Il leur disait cependant qu'il allait bientôt être d'aplomb. Il s'est levé à grande peine à leur rencontre, voûté, le teint terreux et la barbe longue. Le 27 mai, son secrétaire personnel y est allé à 13h30. On lui a dit de revenir à 18h. À 18h, on va alors lui faire savoir que M. Philippe était malade et ne recevait absolument personne. Cependant, M. Philippe avait reçu M. Chappas un instant auparavant. Il comprit dès lors que la maladie était sérieuse. L'un de ses disciples, Papus, d'un caractère un peu exubérant, très admiratif de Maître Philippe, actif, pratique, réalisateur, toujours en train, toujours gai, ne laissant pas cependant de créer parfois à M. Philippe des complications par ses initiatives ou ses racontars. D'autres disciples penchés par l'excès contraire et se taisaient toujours prenant des figures de mystère, attachant à toutes ces petites choses une importance capitale et créant par leurs craintes superstitieuses d'autres embarras à M. Philippe. Ses élèves-ci se scandalisaient de manière que Papus, voyant un sacrilège dans chacune de ses fantaisies, critiquant toutes ses allures libres, ses projets continuels et même sa générosité. Un jour, on apprit que M. Philippe était malade. Le clan des disciples taciturnes se ressembla et ils accoururent, gémirent et construisirent 1000 hypothèses sur les causes de la maladie. Papus, en voyage, ignorait tout. La maladie se prolongeait. Les conciliabules devenaient agités et l'un des membres de ce clan, qui se considérait comme les seules personnes sérieuses, sincères et dévouées de l'entourage de M. Philippe, en vint un soir à lui dire ceci. « Maître, nous en sommes arrivés à conclure que si vous qui guérissez tout le monde, à qui toute la nature obéit et que Dieu exauce toujours, si vous dis-je restez malade, c'est que vous êtes envoûté et l'envoûteur c'est Papus. » Maître Philippe leva sur ce candide amateur de magie un clair regard indéchiffrable et répondit « Eh bien, que cela serait ? Quand cela serait ?» Le docteur Lalande fut témoin de cette réponse incroyable et incompréhensible que M. Philippe dit, sous-entendait telle une quelconque vérité. Le matin du mercredi 2 août 1905, Madame Philippe et sa mère, Madame Landard, ainsi que le docteur Lalande étaient auprès de lui. Madame Philippe s'était absentée quelques instants, et au moment où l'attention du docteur Lalande et Madame Landard étaient retenues près de la fenêtre, M. Philippe se leva de son fauteuil, fit quelques pas dans la chambre et tomba. Tout était alors fini. Ses funérailles eurent lieu le 5 août, le matin, en l'église de l'Arbrel, l'après-midi, en l'église Saint. Curieusement, le 5 août, je ne sais pas si vous avez fait le rapport, c'est quand même l'anniversaire du curé d'Ars. C'est quand même incroyable. Rien n'est par hasard. Chouchou, les papiers.
Voilà, alors nous allons montrer la tombe. Tu montres la tombe ? Voici la tombe du maître Philippe à Loyas. Loyas, ça se trouve en face de Fourvière à Lyon, dans le centre Lyon, quand vous montez en haut. D'accord ? Ici, vous avez donc Philippe né, sa femme épouse et tout ça par la suite. Donc ça tombe. Et derrière là, ici et ici, il y a un arbre. Tout ce que vous voyez là, tous les petits papiers, ce sont les gens qui viennent, qui notent sur un papier et demandent des guérisons spectaculaires pour leurs membres de leur famille. Aujourd'hui, est-ce qu'il paraît que cet arbre a été coupé, parce qu'on dit que l'arbre en question recelait tellement de papiers de demandes de guérison qu'on a coupé certaines branches. C'est curieux, mais c'est comme ça. Inutile de vous dire que quand c'est la fête où Maître Philippe a demandé que les gens se rassemblent sur sa tombe, c'est la fête des rameaux, parce qu'il était très croyant. La fête des rameaux, beaucoup de personnes, ceux qui sont attachés à... Au maître Philippe, viennent rendre grâce et prier. Donc son corps repose au cimetière de Loyas, à Lyon, dans la sépulture de famille. Sa femme décédera le 25 décembre 1939. Je crois qu'à force de bien l'avoir magnétisée, je crois qu'elle avait 20 ans de plus. Imaginez un peu. Anecdote, la tonsure. Un soir, M. Philippe et M. Chapard entrent dans un café, place de la Bourse à Lyon. Un étudiant dit à son compagnon « Oh, c'est le sorcier des Brotteaux !» Maître Philippe les a regardés. Il sourit, puis se tournant vers M. Chapas, il lui dit « Regarde bien !» Un des deux étudiants s'est levé et est allé trouver la caissière. « Madame, je vois que vous êtes en train de coudre. N'auriez-vous pas de petits ciseaux ?» lui dit-il. « Oui, j'ai là une paire de ciseaux à broder, » répond-elle un peu étonnée. « Voulez-vous me les prêter, s'il vous plaît ?»« Mais certainement, monsieur. » L'étudiant a pris les ciseaux. Il est revenu auprès de son copain et lui a dit ceci. « Mais dis donc, on doit rentrer au séminaire et on n'a pas eu notre tonsure. » Il lui a fait la tonsure et l'autre lui a rendu la même service. À la suite de quoi, ils ont rapporté les ciseaux à la caissière qui était alors médusée. Puis, il se réveille et se regarde. Qu'as-tu fait là, et toi aussi ? Ahurissement, colère, menace, ils sortent alors que M. Chapas se tient les côtes, tellement il riait de voir que les deux étudiants s'étaient fait la tonsure. Ça marche ? Tu es la maître ? Passe-moi le micro. La mort n'est rien. C'est une simple apparence. Elle est identique à la naissance. La naissance même est peut-être plus douloureuse. L'âme vient sans y songer, sans le savoir. Un moment, elle a un peu mal au cœur, et c'est fini. Voilà les fleurs qu'on dépose devant la tombe. Personne ne peut mourir sans me voir, sans que je le voie. La tombe est fleurie en permanence toute l'année, et même à certaines périodes, elle croule sous les fleurs. Si vous venez à Dimanche des Rameaux, qui était le jour où M. Philippe avait dit de lui souhaiter sa fête, puisque quand est-ce qu'on doit vous souhaiter votre fête, il avait dit, souhaitez-moi ma fête le Dimanche des Rameaux. Donc ici, le Dimanche des Rameaux, vous ne pouvez pas approcher de la tombe, il y a des centaines de personnes maintenant qui se réunissent. Vous avez aussi, juste derrière, la tombe de M. Chapas, famille Jean Chapas. Ici repose Jean Chapas, décédé le 2 septembre 1932, à l'âge de 69 ans. Et remarquez là, ce qui est marqué en bas de la pierre, « Veillez et priez, le ciel peut tout ». Juste là en face se trouve la tombe de Berthe Matonnet, qui assistait Maître Philippe quand il faisait ses expériences rue du Boeuf pour essayer de mettre au point ce remède qui devait amener beaucoup l'héliosine. Cette tombe était complètement à l'abandon il y a quelques dizaines d'années en arrière. Et depuis, eh bien, vous voyez, elle vit toujours, elle est entretenue, il y a des fleurs. Donc,
C'est pas sans raison, je pense. De la manière dont je vois le fleurissement de la tombe, dont je vois au long des rameaux le nombre de personnes qui viennent prier sur la tombe, quand on voit tous ces petits mots, toutes ces petites suppliques, toutes ces petites prières qui sont mises dans l'écorce de l'arbre derrière, et on peut simplement dire qu'effectivement il y a de plus en plus de monde qui se rapproche de M. Philippe et qui sont aujourd'hui en recherche. Des efforts de ce côté, car nous travaillons pour après la mort. Plus un être aura fait d'efforts dans ce monde, plus il sera conscient là-bas. Il est enterré le 5 août. Et il est enterré à l'emplacement du rosier à l'extrême droite. Il faut savoir juste une chose, c'est que la foule remplissait jusqu'à tout en haut de l'allée et serrait, les gens étaient serrés. Le cercueil, quand il a été transporté, a failli tomber plusieurs fois. Le DVD. Voilà, il y a un DVD sur la Maître Philippe de Lyon. On l'appelle le chien de berger. Pourquoi? Parce que justement, comme il était réputé avec ses chiens, c'est pour ça que c'est important. Ça retrace ce qu'on appelle la vie de Maître Philippe. Ça, c'est le monsieur qui a fait le tableau. Regardez le peintre qui reproduit le tableau de Maître Philippe et qui s'est dit, pourquoi pas, je ne ferai pas le portrait de cet homme, un homme important sur Lyon. Et il a très très bien réussi. C'est un très beau tableau. Avec les couleurs de l'époque, couleur sépia un peu. Ça ne veut pas marcher. Tu l'as montré ? Je vais montrer le signe qui t'a fait quand tu as fait la conférence. Donc, bien entendu, le maître Philippe de Lyon, ben, ceux qui veulent soigner, qui veulent guérir, si vous pouvez faire appel à lui, c'est plutôt quand même de circonstances. Hein. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, on dit que Papus était un peu jaloux de Maître Philippe par rapport à ses dons et tout ça. Et il se trouvait dehors devant la maison pour fumer une cigarette. Puis tout d'un coup, Maître Philippe était debout. À côté, il y avait Papus. Et tout d'un coup, il lui dit « Déplace-toi de 1 mètre à 1 mètre 50. » Alors Papus le regarde et lui dit « Pourquoi tu me dis ça, quoi ?» Et il lui dit « Regarde le ciel. » Au moment où il est en train de dire « Regarde le ciel », il y a ce qu'on appelle la pluie qui commence à tomber et tout d'un coup, il y a un éclair qui est tombé, foudroyant, qui s'est passé entre Maître Philippe et Papus. Je crois que si Papus avait été à l'endroit où il se tenait auparavant, il serait mort foudroyé. Et là, Papus avait une énorme reconnaissance vis-à-vis de Maître Philippe, puisque comme il savait qu'il priait beaucoup Jésus, les saints évangiles et tout ça, il a remercié Maître Philippe et lui a dit « Encore une fois, tu m'as sauvé la vie. » Chouchou, le scan. Alors là, c'était quand on préparait ce qu'on appelle la conférence de Maître Philippe. Ton micro. Là, on préparait la conférence de Maître Philippe et alors, vous savez qu'on leur parle un peu là-haut, voyez-vous. Hein, d'accord. Et quand l'imprimante elle est sortie, ici, vous voyez, il y a des traits rouges. Vous les voyez, les traits rouges? Alors que c'est une photo qui est toute en noir et blanc. Ici, vous avez des traits rouges. Ce qu'il faut savoir, le rouge, c'est l'énergie et c'est l'énergie christique. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir ici, au niveau de la main droite, qui est la main de Dieu, qui symbolise, vous avez ce qu'on appelle les traits verts. Vous les voyez, les traits verts? Et le vert,
c'est la guérison. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis habillée en vert. C'est pas pour rien. D'habitude, je m'habille en orange, mais je suis en vert parce que la couleur de l'époque pour les guérisseurs, les vrais guérisseurs qui se trouvaient en France en aval, ils portaient toujours un pull vert. Donc, en l'honneur de Maître Philippe, je me suis habillée en vert aujourd'hui. C'est pas pour rien, puisque c'est la couleur de la guérison. Avoir une photo dans son cabinet pour les guérisseurs du Maître. Alors, pour les guérisseurs, vous pouvez lire le livre Le Chien des Bergers. Vous pouvez aussi vous procurer la photo de Maître Philippe, la sortir et l'imprimer par Internet, et la mettre surtout dans le cabinet où vous pratiquez des soins. Est-ce qu'il y a des guérisseurs aujourd'hui? Il y a des gens qui font des soins ou pas? Ben voilà. Voilà. Alors, ceux qui soignent, ceux qui s'intéressent à la guérison, demandez à Maître Philippe. Croyez-moi, je peux vous assurer, entre lui, Bruno Gröning ou d'autres, qui sont quand même des grands, grands guérisseurs, si vous lui demandez de l'aide, il vous exaucera. Est-ce qu'il y a des questions? Jésus aussi. Mais il soignait aussi par rapport... Comme il soignait très, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je peux vous dire certaines paroles qu'il avait quand il parlait de tout, puisqu'il était quand même très spirituel. Il parlait de la sagesse, il parlait de la transformation, du mal et du bien. Il parlait de beaucoup de choses qu'il me faudrait toute l'après-midi pour en parler. Et là, nous sommes un peu limités par le temps. Y a-t-il des questions? Oui. Pardon? Si je peux lui dire merci? Comment lui dire merci? J'entends pas, attends, il faut que j'entende pas ce qu'elle dit la dame. Il faut un micro parce que j'entends pas. Bonjour. Bonjour, voilà, moi je suis Madame Bois-Sylvie, je suis thérapeute, sophrologue très exactement. Et en fait, moi aussi je me suis habillée en vert et j'étais venue dans cette conférence pour un but précis et en fait j'ai eu la réponse. Voilà. Donc je voudrais lui dire merci. Il faut lui dire allez, il faut lui allumer des bougies et devant sa photo, pour recueillir sa photo et la mettre. Donc je l'imprime et je lui dis merci. Voilà, et vous lui dites merci. À travers une prière. À travers une prière, parce qu'il était notre très, très croyant. Notre vous, Père. Vous priez le Notre Père, quoi. Vous savez que Maître Philippe a été connu dans le monde entier, puisqu'il a soigné le Bey de Tunis, il a été en Algérie, il a été en Russie, il a été partout, en Italie, en Espagne, et tout ça. Et malgré tout, toutes ces années, pour l'époque... Ouais. Guérisseur, vous imaginez déjà que aujourd'hui c'est pas triste. Et thaumaturge, vous imaginez déjà quand vous dites je soigne des gens et tout ça, vous êtes un peu, on vous montre un peu du doigt. Alors imaginez pour l'époque, il a été quand même très 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 harcelé pendant des années. Lui dire tout simplement merci. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, de rien. Merci. De l'autre côté, il continue à soigner. Hein. Et de continuer, non, de là-haut, vous savez, il continue à soigner. Donc si vous avez besoin d'aide, je pense que rien que d'avoir sa photo dans votre cabinet, c'est extraordinaire. D'autres questions? Ah, quand même, oui. Bonjour. Attendez. Voilà. Bonjour Chantal, bonjour. Jean-François. Bonjour Jean-François. Alors, vous avez parlé que Maître Philippe avait un aura qui allait jusqu'à des milliers de kilomètres. Oui. Pour faire des soins à distance. Oui, pour faire des soins à distance. Voilà. Aujourd'hui, bon, moi je suis très passionné par le magnétisme. Donc, je soigne occasionnellement des personnes en magnétisme. Oui. J'arrive à avoir certains résultats en faisant des soins à distance. À distance, bien sûr. Moi aussi, j'ai une aura qui oui, va au-delà. Oui, mais il ne travaillait pas sur photo. Hein. Oui, mais lui, il ne travaillait pas sur photo, attention. D'accord. Est-ce que vous travaillez sur photo à distance? Lui, il n'avait aucune photo. Photo et... Il travaillait rien qu'avec le prénom de la personne, sans photo, sans rien. Photo et prénom, nom et date de naissance. Voilà, non, mais lui, il prenait ni la date de naissance, ni rien que le prénom de la personne et il soignait à distance. Vous voyez, comme l'histoire du fameux paysan que j'ai raconté, il n'a jamais vu la fameuse femme de ce paysan et sans aller se déplacer, il a soigné à distance. D'accord. Voilà. Donc, le demander, si vous faites des soins chez vous, imprimez la photo et demandez à Maître Philippe de vous aider et je pense que ça sera un plus par rapport à vos soins. D'accord, ça sera ça peut être que du bonheur. D'accord, je mettrai, mais je n'avais pas de répit. Voilà. Et regardez le film du Maître Philippe. Voilà. Pardon? Le DVD. C'est parmi les supports avec pas de pire. Voilà, très très bien. Merci Jean-Claude. Jean-François. Jean-François, merci. Je vous remercie Chantal. Et je voudrais dire que vous êtes une bonté personnifiée. Merci. Une belle âme.
Je ne suis pas grand-chose par rapport à Maître Philippe, hein, mais je suis très heureuse d'en parler parce que quand j'ai vécu à peu près 8 ans sur Lyon et quand j'ai expliqué beaucoup de choses aux Lyonnais et tout ça, il y en avait beaucoup qui comprenaient, d'autres qui ne comprenaient pas. Et j'ai ouvert pas mal de conscience par rapport aux gens et ça, c'est, pour moi, c'est très important. Le DVD, il explique bien l'histoire du Maître Philippe. Le DVD explique bien et retrace bien la vie de Maître Philippe. Ou sinon, vous avez les livres « Le chien de berger » que je vous conseille de lire. Si vous faites des soins d'agression, ça ne peut que vous plaire. D'accord ? Très bien, merci. Là, on va passer à un extrait de... Non, c'est rien du tout. Je n'ai rien dit. Non, c'est la fin. Donc, oui, madame. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je ne suis pas thérapeute du tout. Oui. Je ne soigne pas. Mais vous êtes vous, c'est déjà pas mal. Voilà. On peut quand même demander de l'aide. Tout à fait. À Maître Philippe. Tout sans à fait. Cela guérir ou soigner qui que ce soit. Non, sans tout ça. Mais vous, si vous demandez de l'aide en principe, normalement on demande d'abord pour les autres, ensuite pour soi, non c'est... Oui, c'est, ça, c'est dans le sens. Vous n'avez pas remarqué dans le sens où vous pouvez demander de l'aide, peut-être pour si vous avez des personnes autour de vous qui sont malades, ma petite dame. Oui, non, mais je comprends, mais je veux dire, à partir du moment où je ne suis pas thérapeute. Peu importe, madame. Okay. L'important, c'est ce qui est fait avec votre cœur et votre plan de conscience. Aujourd'hui, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. D'accord ? Si vous entendez parler de Maître Philippe, à vous de vous poser les questions pourquoi. Je vous invite à lire son livre, son œuvre, sa vie, quelqu'un d'extraordinaire. Et si un jour vous le pouvez, madame, si vous traversez Lyon en Rhône-Alpes, allez sur sa tombe à Loyas. Vous savez, la première fois que je suis rentrée à Loyas dans le cimetière, j'ai demandé, c'était une rose qui m'a indiqué le chemin. La rose tombée et m'a donné exactement l'emplacement de sa tombe. Et j'ai dit merci. Merci, Chantal. J'ai eu la chance de travailler en Rhône-Alpes à la place principale, dans le deuxième arrondissement où je faisais des conférences presque toutes les semaines pendant des années, 7 ou 8 ans, c'était énorme, où j'ai connu des êtres exceptionnels au niveau spirituel qui sont partis au ciel malheureusement. Et grâce à toutes ces personnes, je pense à elles aujourd'hui, ces personnes que j'ai côtoyées à Lyon, en Rhône-Alpes, et avec qui, quand j'étais toute jeune, j'ai appris beaucoup de choses et je laissais tout simplement avec ma façon à moi de le faire partager. Très important. Même si vous n'êtes pas thérapeute, nous essayons de l'être un petit peu, tant soit peu, avec soi-même. Vous êtes d'accord avec moi? Et peut-être beaucoup aussi un peu pour les autres. Surtout les nôtres, notre famille, nos amis, tout, n'est-ce pas, madame? Surtout, vous avez pas mal de personnes malades autour de vous. On est d'accord? Allez, vous n'êtes pas là par hasard. Et on peut même poser la photo du Maître Philippe de Lyon. On peut même poser la photo de Maître Philippe sur soi, mais l'idéal, c'est de la voir debout. Alors, vous savez, Maître Philippe Delon était très grand, très costaud. Hein, et souvent, dans les guérisseurs, moi, les vrais guérisseurs, tous les guérisseurs que j'ai connus, dont je voudrais dédier cette séance aussi à ce guérisseur, un guérisseur que j'ai énormément aimé, M. Louis Puech, qui était un être exceptionnel, qui vivait dans la région du Gard, qui n'est pas loin d'ici, et qui, un jour, il me dit, « Viens, ma Chantal, je t'amène, on va voir une manade. » Une manade de quoi, je lui dis. Il m'a emmené voir un taureau. Et j'ai vu ce guérisseur en jean, en t-shirt et en sabot, debout, hein, mettre la main comme ça, devant un taureau. J'ai dit, on va nous charger, on va mourir, ça y est, aujourd'hui c'est notre mort. Hein. Et j'ai vu un taureau, ma petite dame, de 450 kilos, une masse, tomber raide avec son magnétisme. Et comme beaucoup de guérisseurs, il faut surveiller, monsieur, parce que ça c'est très important, et de source sûre, je le sais. Souvent les guérisseurs, attention le cœur, parce que l'énergie, ça part quand même pas mal du cœur, et il faut surveiller. Et ce guérisseur, le Puech, que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui m'amenait partout avec lui et tout ça, on rigolait bien avec lui, et un jour, il est décédé. Comment il est décédé? Il est décédé dans son jardin, tout simplement, en demandant à sa femme d'aller chercher un nonos pour son chien. Il a dit, je me sens pas bien, il s'assit sur une chaise, et là, sur la chaise, il est décédé du cœur. Comme le Maître Philippe de Lyon. Comme le Maître Philippe de Lyon. Beaucoup de guérisseurs que j'ai connus qui partent du cœur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et croyez-moi, des masses comme des gens qui sont... Les bons guérisseurs que j'ai connus, ils étaient tous costauds ou maigres. Mais jamais minces. Costauds ou maigres. C'est rigolo, hein? C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est l'énergie, ça, madame. D'autres questions? De ce côté-là, à droite. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir si Lyon avait
une particularité parce que là, Maître Philippe était à Lyon. Allan Kardec. La Vierge Marie aussi. Oui, Lyon est une ville, c'est pas par hasard. Lyon est une ville, madame, qui est consacrée à la Vierge Marie. Quand on marche dans le vieux Lyon, dans le deuxième, dans le quatrième, le cinquième, tu lèves la tête et dans toutes les angles, tu vois la Vierge, la Vierge, la Vierge. C'est une des villes, la seule ville de France, de Navarre, où le 8 décembre est fêtée la Vierge Marie. Pendant 3-4 jours, il y a ce qu'on appelle la fête des lumières à Lyon, où on allume ce qu'on appelle les fameuses bougies sur le rebord de la fenêtre. Par rapport à appeler, on dit que la Vierge, pendant ces 3 jours, vient rendre visite et rentre dans les maisons chez les Lyonnais. Et je ne vous dis pas dans tous les alentours. Donc, vrai que Lyon est une ville d'ésotérisme marial. Lyon, c'était la ville donc, de Maître Philippe de Lyon, bien sûr, mais du curé d'Ars, de Saint-Jean-Baptiste Vianney, qui se trouve à 50 km dans les alentours de Lyon, et de M. Allan Kardec. Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirite, puisque dans le deuxième arrondissement de Lyon, c'est là, en bout de rue, il y a une stèle qui est dédiée à M. Kardec. Et c'est là où il a vécu avec sa femme et avec sa famille au tout début qu'il a commencé. Une ville ésotérique. Donc, oui, Lyon, c'est une ville où il s'est passé beaucoup de choses. J'ai dit, il y a la vallée des tisserands et la vallée des religieux. Et quand on est dans la vallée des religieux, il y a certains monastères ou certaines églises, quand on rentre à l'intérieur, hein, il y a une église à côté de Perrache, Sainte-Blandine, qui est très très forte, qui est une sainte qui a été condamnée et donnée aux lions et tout, en pâture, comme on dit, hein, où quand on sent les vibrations religieuses qui sont là, qui sont très importantes. Oui, je dirais que c'est une ville qui est très particulière. Merci beaucoup. Une ville que j'affectionne particulièrement, où j'ai vécu pas mal de choses mystiques. Mais c'était un peu rendre à César ce qui appartient à César, puisque pendant 40 ans, j'ai travaillé à Paris, hein, dans la salle, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, pour M. Allan Kardec pendant 40 ans. Et les derniers temps où j'ai dit je veux rentrer chez moi dans le sud, parce que j'étais sudiste, hein, et je suis arrivée en Rhône-Alpes, la première des choses, j'ai une petite infirmière que j'aimais beaucoup, une dame âgée, puis à son âme qui est décédée, elle m'a dit, ma Chantal, je vais te prêter un petit appartement. Et je vous dédommagerai tout ça. Non, non, à toi, je te le prête, qu'elle me dit comme ça. Et elle m'a donné, enfin, momentanément, vous savez, des chambres de bonne, un petit appartement, mais tout petit, avec un petit lit d'une personne. C'était vraiment, vraiment, le truc sédentaire, hein, hein, où avait vécu, heureusement, dans le palier à côté, M. Allan Kardec. J'ai dit, ah... Et la première nuit que j'ai passée dans cet appartement de source sûre, ça je peux vous le raconter, je dormais dans mon petit lit d'une personne. Je ne pouvais pas tourner à droite à gauche parce que vu ma corpulence, j'allais tomber. Hein. D'accord, ben oui. Donc, petit lit 90, donc je dormais comme ça, j'essayais mes prières. Et tout d'un coup, qui c'est que je ne vois pas? Mais qui je ne vois pas? Je me vois Allan Kardec qui était penché sur moi. Et moi, je le vois comme je te vois. Qu'est-ce que je fais? Je me recule sur le lit. Je dis, Nanou, tu es là? Il m'a fait. Alors ça, je trouvais ça extraordinaire quand même. Hein. Et quand je suis allée faire les pèlerinages à Fourvière, là-haut, en face de l'Ouyas, où il y a le maître Philippe de Lyon et tout ça, j'ai vécu des choses extraordinaires. Extraordinaires. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Lyon, mais... Bon, ben voilà, il faut y aller. Et il faut... Et c'est pour ça que quand je vais bientôt retourner à Lyon, je vais y parler aux Lyonnais pour faire... Et quand je donnais mes conférences à Lyon, gratuitement je le faisais, j'essayais de faire connaître à tous les Lyonnais, parce que je vous dis qu'ils reconnaissent ce grand guérisseur, il n'était pas là par hasard, d'une ville d'ésotérisme mariale, où la Vierge a apparu à beaucoup de personnes et tout ça. Que ce soit Place Bellecour, que ce soit dans le deuxième arrondissement où je donnais les conférences, c'est passé beaucoup de choses. D'autres questions? Il y avait une madame là qui voulait poser la question. Est-ce que vous connaissiez Maître Philippe de Lyon? Non. Ben voilà, c'est ce que je dis. Hein. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'il est là aujourd'hui avec nous. Et je crois qu'il est là aussi pour vous remercier d'honorer sa mémoire. Déjà, moi je remercie Michel aujourd'hui. Je veux dire Michel, ça lui va bien ton prénom parce qu'il est deux ailes dans le dos, et d'être dans un lieu magique comme ici, cette chambre.
chapelle pour moi, parce qu'une chapelle religieuse, ou tout simplement qui est habitée par Jésus et qui est habitée par Ben, de parler de Maître Philippe, qui était très croyant, moi je dirais un grand remerciement. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, tout ce qu'il m'a apporté et tout ce qu'il apporte aux gens autour de lui. Merci. C'est juste une reconnaissance. Et d'ailleurs, je voudrais remercier aussi toute l'équipe lyonnaise qui s'occupe de l'association de Maître Philippe Lyon et qui vont connaître le Maître Philippe. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils me voient, s'ils m'entendent, s'ils vont me recevoir aujourd'hui, mais je remercie personnellement toute cette équipe-là. D'autres questions ? On fait une pause. Donc, nous allons faire une pause de... Applaudis Chantal parce que c'était vraiment extraordinaire.